coucou, salut tout le monde, les gens, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. Ça démarre, c'est ce soir la grande finale, finale qui va être 100% basée sur la musique. Vous allez découvrir ce soir le DJ Steph dans la rubrique Steph part en vrille. Steph qui nous a préparé un blind test, qui nous a préparé un top 3 comme on savait les faire au Big Deal avec des morceaux massacrés. Et on a nos deux candidats que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais auparavant, comme le veut l'habitude, j'aime bien un petit peu faire le point de la situation avant de passer au jeu. La situation, elle est très simple. On est déconfiné. Et on va bientôt enfin pouvoir retrouver 100% nos libertés. Cela dit, il y a dans le déconfinement et dans les aléas de la compréhension des lois mises en place, il y a parfois des gens qui ont un peu la comprenette difficile ou des gens qui sont un peu obtus. Par exemple, alors les cinq trucs que je vais vous raconter, c'est cinq trucs vécus. Donc, on veut acheter des masques. Alors, samedi après-midi, on descend dans Toulon, on va au Monoprix de Toulon, et là, devant le Monoprix, il y a un vigile qui te fait « Vous ne pouvez pas rentrer sans le masque. » Alors tu lui dis « Mais je viens pour acheter des masques, je vais acheter une boîte de 50 masques. » « Ah non, faut le masque. » Il dit « Oui, mais si vous voulez, c'est compliqué parce que je voudrais aller acheter des masques. » Il dit « Non, faut le masque. » Et je dis, alors, explique-moi comment je fais pour trouver un masque afin d'aller acheter des masques. Et là, le vigile me dit très gentiment, il faut aller acheter à la pharmacie parce qu'à la pharmacie, vous n'avez pas besoin de masque pour acheter des masques. Alors, vous allez à la pharmacie acheter un masque et puis après, vous revenez à Monoprix pour acheter les masques. Donc, à la finale, on a dit, ouais, super, ouais, bouge pas, je reviens. Ça, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué. Un autre truc complètement pété de la tête, on rêve. Beaucoup de Français, moi le premier, on rêve de bouffer un hamburger, le vrai bon Big M, tu vois. T'en rêves depuis 2 mois, tu peux pas bouffer un gros truc bien dégueulasse, plein de graisse, d'huile, de tout ça, machin. Alors tu dis, je vais me faire un McDo. Tu te pointes chez McDo et là, au drive, parce que la boutique est fermée, au drive, la jeune fille, très gentiment, te dit, ah, ici, monsieur, c'est pour les livraisons. Ah, tu lui dis, ben, c'est pas grave, je vais pas manger sur place, moi c'est pour emporter. Elle dit, oui, non, c'est juste pour les livraisons. Et je dis, oui, ben, je viens prendre livraison de ma pitance. Il dit, ah non, c'est pour les livreurs. Et je dis, mais c'est-à-dire qu'en gros, il faut que je fasse appel à un livreur qui va venir au guichet retirer ma commande pour juste se retourner et me la donner. Et là, la fille, sans se démonter, elle me fait. Voilà. Donc, on a bouffé un hot dog au kiosque d'à côté. Ça, c'est les trucs qui m'ont amusé. Ah oui, un autre truc. Alors ça, je l'ai lu dans Var Matin, mais je suppose que tout le monde l'a lu dans la presse. Les fleuristes, attention, hein, les fleuristes vont réouvrir, mais uniquement pour de la vente à emporter. OK? Parce que c'est souvent que tu vas acheter des fleurs et que tu dis, non, laissez-les là. Je viendrai de temps en temps les regarder. Hein? C'est vrai. Et moi, la seule fois que c'était pas pour offrir, c'était pour un enterrement, tu vois. Et encore, on les a offerts. Donc voilà, les fleuristes vont réouvrir, mais ça sera que de la vente à emporter. Alors après, c'est deux trucs que j'ai vécu sur la plage de Cavalaire. Parce que Cavalaire va être une des premières plages françaises méditerranéennes à être accordée statique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir poser ta serviette. Mais pour la semaine dernière, c'était pas statique, c'était dynamique. Tu dois bouger sur la plage. Et c'était assez rigolo parce que tu n'avais pas le droit de mettre ta serviette par terre et de poser le cul dessus, mais tu pouvais t'allonger sur un matelas pneumatique dans 20 cm d'eau au bord de la plage. Ça a été assez compliqué de faire comprendre aux gens que c'est pas pareil d'être sur le sable et d'être dans l'eau. Mais bon, voilà, c'est juste la situation qui est quand même rigolote. Et puis, il y en a une qui a été désamorcée. Heureusement qu'elle a été désamorcée parce que sinon, à mon avis, il y avait la moitié de la population française qui descendait avec des pelles et des pioches pour démonter la plage parce que c'était plus la peine d'avoir une plage. Il a été proposé, tenez-vous bien,
Il a été proposé, ça a été refusé, il est annulé. Mais il y a quand même des mecs qui ont été proposés que la serviette de bain sur le sable soit interdite, que donc le bain de soleil est interdit, sauf si tu loues un matelas et un parasol sur une plage privée. Ça a un tout petit peu fait monter les gens dans les tours. Donc, je crois que la proposition, elle a juste été énoncée et ensuite, elle a été éradiquée. Ça, j'imagine bien. Le bain de soleil sera réservé aux riches. Voilà, si tu n'es pas riche, tu es gentil. Tu retournes dans le métro, file dans ta chambre. Voilà, donc on y arrive petit à petit, on se déconfine. On fait en sorte de ne pas trop sortir pour s'en sortir et on essaye de rester confiné pour ne pas devenir un confiné. C'est trop fort. Les amis, il est l'heure d'attaquer cette finale qu'on a débutée, enfin la finale du concours qu'on a débutée il y a plus d'un mois. Et on a joué à l'objet dans la valise, on a joué à qui est qui suis-je, et puis on a eu nos deux finalistes que je vais vous présenter tout de suite, à commencer par la copine honneur aux femmes, la copine Virginie. Salut Virginie. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ben écoute bien, t'es concentrée? Ouais. Ok, super. Des petits points de connexion pour se retrouver tous ensemble, mais là, ça y est, tu es là. Et donc, notre deuxième finaliste n'est autre que Christophe. Salut Vincent, salut tout le monde. Ça va bien, en forme? Ben écoute, au taquet, on attend la finale avec impatience. Là, j'ai ma copine qui est juste à côté pour essayer de me booster un petit peu. Bon, ça va le faire, ça va être une pure déconnade. Comment s'appelle ta copine, Christophe? Fanny. Voilà, attends, je vais te tourner. Salut Fanny. Salut. Ça va bien? Ça va et vous? Ben écoute, moi ça va bien. J'espère que Fanny ne sera pas de rigueur pour ce concours, hein, parce que c'est quand même pas un prénom qui booste généralement, hein, parce que tu connais le principe. On sera Fanny. Pas Fanny. On sera pas Fanny. Voilà, ce n'est pas Fanny. C'est pas moi qui embrasse le cul de Fanny, hein. C'est la tradition, mais pas de ça chez nous. Hein. Donc, Christophe est accompagné de sa moitié Fanny, et Virginie, elle est accompagnée de qui? Je vois qu'il y a du monde qui passe derrière, il y a des aliens. Il y a mon frère. Alors, on veut voir le frère, on veut voir le visage. Il y a voilà. Ah oui, là, mais c'est beaucoup de... Okay. Ben, non, mais ils sont en train de réparer une voiture en même temps. Et quoi? Ils réparent une voiture en même temps. Ah ouais, on ne peut pas tout faire. Voilà le frangin. Salut le frangin. Salut. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Baisse-toi un peu. Voilà. Salut à toi. Sois le bienvenu. Qui y a d'autre avec toi, Virginie? Mon amie Sandra. Elle est où, Sandra? Salut, Sandra. Coucou. Et vous êtes trois. Et voilà. Nathalie. La future belle-sœur, quand il sera décidé. Salut, Natoche. Salut les filles. Et ma fille d'ailleurs. Où elle est la fille? Allez, viens là. Viens dire bonjour à toute la gaffe. Dis bonjour à tonton Vincent. Bonjour mademoiselle. Salut ma belle. Donc on joue pour une journée de vacances chez moi à Cavalaire, où vous serez mon invité. Je vous emmène bouffer dans ma cantine. Je vous emmène faire les activités nautiques que j'ai l'habitude de faire. J'essaie de vous montrer un peu les spots où on a l'habitude d'aller évoluer avec les copains et surtout de vous faire passer une journée de rêve et avec une vidéo qui vous restera et qu'on diffusera sur la page pour bien mettre les boules à tous ceux qui auraient pu jouer, qui auraient pu gagner et qui n'ont pas finalement. Nous allons commencer honneur aux femmes, Christopher. Si tu es d'accord, on va commencer avec Virginie. Donc, on va attaquer notre premier jeu avec Virginie. On va jouer à qui Kalazic. C'est un blind test, ce qu'il y a de plus simple. On a 20 morceaux, mais on ne va peut-être pas faire les 20. On va en faire 10. Et puis, si au bout de 10, il y a égalité, on en prendra plus. Mais il faut impérativement, Virginie, que tu me donnes le nom du chanteur ou le nom de la chanson pendant les 10 secondes où il y a de la musique. Si tu me le donnes après, c'est trop tard. Donc, okay. Bien compris? Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, laissez-moi vous présenter DJ Steph. Salut, salut mon Steph. Voilà, Steph, il est là. Steph, il est dans la place. Tu nous as préparé les 10 premières musiques. Eh bien, écoute, Steph, tu sais quoi? Je mets mes lunettes, j'ai les réponses. Virginie, tu es prête? Oui.
Donc, celui qui aura le plus de bonnes réponses à la fin de l'émission viendra me retrouver à Cavalère. Virginie, première musique, DJ Steph, comme tu veux. Allez, c'est parti. Virginie, bonne chance. Merci. Céline Dion. Céline Dion, c'est une excellente réponse. Bravo. Ok, Virginie. Bon, ben, je vois que tu as bien compris le truc. L'affaire est bonne. Tu as le premier point. Steph, deuxième morceau. On y va. Kinvé. Kinvé. Et quel est le titre de la chanson? Mademoiselle Valérie. Non, c'est pas ça. C'était J'aimerais trop. Mais c'est Kinvé et ça le fait bien. Bravo, félicitations. Deuxième point. On est à, pour l'instant, un sans faute. Troisième morceau, Virginie, écoute, DJ Steph. Scatman de Scatman John. Bonne réponse. Voici le quatrième morceau, Virginie, pour un quatrième point. DJ Steph, quand tu veux. C'est parti. She's crazy like a fool. Oui, Bonnet. Il y a une équipe qui faut attaquer là. Quatre bonnes réponses. On joue pour le cinquième titre. Steph. Hello, everybody. 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 Hello. Vincent Lagaffe. Exactement, Vincent Lagaffe. Zoubida. Oui, trop fort. Bravo. 5 points. Attention, on joue pour le sixième titre. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Steph, s'il te plaît. Hey, MX. Dance Kuduro. J'ai pas entendu. Kuduro. Kuduro. Ouais. On va, Steph, danseur Kuduro, on va l'accepter, c'est Kuduro de Lucento et Don Omar. C'est ça. Voilà, j'ai révisé mes tablettes, je m'entendais. On est à 6 bonnes réponses, on joue pour le numéro 7, Steph, s'il te plaît. Oh, Gala, Gala. Oui, on note Gala, c'est gagné. Je m'aperçois que j'ai été trop gentil quand même. Je crois que tu as été trop gentil, on va être obligé d'en faire plus. Allez, huitième titre. Francky Vincent. Oui, Francky Vincent qui nous jouait, Fruit de la passion. Excellente réponse, 8 bonnes réponses, on est sur un sans faute. L'avant-dernière pour cette première partie, en espérant qu'il n'y ait pas une égalité. Allez. Ace of Base. Ah ouais, avec l'accent et tout là. Ace of Base. On est à 9 bonnes réponses, bravo. Et le dixième pour terminer cette première manche avec Girvini. Dixième morceau. Allez, Steph. Goldman. Goldman, interprète. Je dirais au bout de tes rêves. Et toi, tu es en train d'aller au bout du tien. Félicitations, Virginie. Bravo, Virginie. 10 points pour l'instant. On va s'arrêter là. On va attaquer maintenant avec Christophe, Virginie, tu ne quittes pas, tu restes avec nous. Tu as 10 points, félicitations. Et je vais aller chercher Christophe. Christophe, tu m'entends? Ouais, je t'entends impeccable. Ok, nickel. Nickel. Écoute, là pour l'instant, du côté de Virginie, on a un sans faute. À toi de faire le même, sinon on va être un petit peu obligé de vous départager sur cette première épreuve. Donc, toujours pareil. D'accord. T'as 10 secondes pour me trouver le titre ou l'artiste. Un point par bonne réponse. Fanny peut t'aider et Steph a le doigt sur l'inventaire. Et c'est quand tu veux pour le premier titre. Allez, 10 points à battre pour l'instant. Steph. Allez Christophe, bonne chance. C'est parti.
Michael Jackson. Michael Jackson qui nous interprète. Yeah. I'm bad. Who's bad? Who's bad? You. You're bad. Deuxième morceau, DJ Steph, Stop Left. Garçons. Ouais. Ça, elle est donnée, ça. Merci. À cause des c'est à cause des garçons. C'est à cause des garçons que quoi? Ah, je sais pas, non. Non, bah alors non, bah alors non, non. Finalement, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Steph, s'il te plaît. Je ne dis rien. Je sais que tu connaissais trois morceaux. Si tu peux mettre le troisième, parce qu'après, faut qu'il aille les acheter. Allez, vas-y, fais péter. Ouais, bon, Village People, IMCI. Ouais, ouais. Village People, félicitations. Troisième bonne réponse. Allez, tout de suite, sans plus attendre, on est dans le blind test et c'est le quatrième titre à trouver. Musique. Gilbert Montagnier, les Sunlight des Tropiques. Les Sunlight des Tropiques, Gilbert Montagnier. Quatre bonnes réponses. On s'approche. Nous voyons également. Je te propose de tenter de découvrir ce cinquième morceau mixé par le DJ Steph. To all the people all around the world. Oh la 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 la. Alors là. Oh yeah. Ouh la la la, ah la Rebel. Ouh la la la, allez vite. Deux fois. Non, ça je sais pas non. Malheureusement, on a une petite faute qui profite à Virginia. Alors c'est con parce que tout à l'heure tu nous as dit après avoir entendu à cause des garçons, t'as dit à cause des garçons, c'était la bonne réponse. Et là. T'as entendu ouh la 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 la, il suffisait de répéter ouh la 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 la, c'est le titre de la chanson. Et c'est interprété par Alexia qui interprète ouh la 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 la. On a une réponse négative pour Christophe, ce qui nous fait pour l'instant 5 à 4, mais rien n'est joué. Voici le sixième titre concocté par DJ Steph. C'est parti. Rihanna et Drake qui interprètent Work. Voilà. Très bien. Allez, on est à 5 bonnes réponses et ça, c'est la sixième. Non, je te dis des conneries. Que je regarde. Arrive à la septième. Voilà, on est à 5 bonnes réponses contre au même lieu. On était à 6 pour Virginie. Allez. Il en reste encore 3. Voici le titre suivant que notre DJ Steph a été chercher à la cave. Celui-là, il a été le chercher, il l'a ramené, il l'a remis au bout du jour, il l'a époussé, il l'a brossé et il l'a passé. Amir. Oui. Facile. Le chercher. Bravo. Comment ça s'appelle? J'ai cherché. Ah. Exactement. Et là, il y a le Steph qui s'emballe un peu. J'ai cherché la bonne réponse. Voici le huitième titre. Oui, là. Le pré-entendre, il est facile. Babylon. Excellente réponse. L'avant-dernier avec Steph. L'avant-dernier, s'il te plaît. Le titre ou le chanteur? You are my heart. Bravo. Et le dernier, le dixième, s'il te plaît, Steph. Parti. Allez, vas-y. On y va.
Non, je l'ai pas. Ah, dommage. C'était Makeba, Jane. Jane, oui, c'est ça. Jane, ouais. Makeba. Bon, eh ben, on a 5 et 3, on a 8 bonnes réponses pour Christophe, 10 pour Virginie. Virginie est en train de prendre la tête, elle a 2 points d'avance. Christophe, toi, tu as bossé, me semble-t-il, à Fun Radio. Non, Énergie. Non, à Énergie. Énergie Mulhouse, oui. Énergie Mulhouse. Et tu faisais quoi là-bas? Tu passais de la ZIG, tu étais chroniqueur? J'étais assistant producteur et standardiste. Ah d'accord, ok. Donc la musique, tu en as plutôt entendu quelques heures pendant tes heures de boulot. Oh là, de nombreuses heures et de très très bonnes soirées. D'accord. Bon, eh ben n'empêche que ça ne fait pas tout puisque il te manque 2 points pour l'instant. Reprendre la tête. Virginie? Oui. Tu as entendu tout ce qui s'est passé, tu sais donc que tu as 10 points et que Christophe en a pour l'instant 8, comme tu es affiché sur l'écran. Et nous allons maintenant jouer au qui a la réponse. D'accord. Final. Donc on va recommencer avec Virginie, on va te proposer 10 questions. Alors on va jouer comme on avait joué lors de la demi-finale. Je te pose la question. Si il te semble avoir la bonne réponse, tu dis cash. Et si tu as la bonne réponse, c'est 3 points. Si tu n'as pas la réponse et que tu as besoin de propositions, tu dis propal. Ouais. Je te fais les 4 propositions. Et si tu trouves la bonne réponse parmi ces 4, tu mets 1 point. Pareil, 10 questions plus du spare en cas d'égalité. OK. OK. Oui. Alors, cash ou propal, voici le jeu numéro 2. Qui a la réponse? Et là, bientôt, vous verrez, on aura des jingles, les musiques qui se mettront à tourner, les pom-pom girls qui descendront. Si, on l'aura. Un jour, on l'aura, un jour. Voici ta première question. Quel chanteur s'est révélé sur Internet grâce à son tube Marley Gaumont? Camini, Cash. Cash, tu Camini. Camini, et c'est une excellente réponse. Bravo. Deux, il y avait Mathieu Edouard, Doc Gynéco, Camini ou Grégoire. Donc tu as dit Camini, c'est une excellente réponse. Alors, voici la deuxième question. Toujours pareil, cash ou propane. Dans quel boys band Robbie Williams a-t-il commencé sa carrière? Cash. Oui. Take That. Take That. Et on lui doit entre autres ce fameux tube que j'ai eu la chance de reprendre et qui est Feel. I just want to feel real love, feel the whole mother living. Cause I got so much life running to my way, going to waste. Ouais, je sais, j'aurais dû faire carrière de chanteur, finalement, j'ai préféré déconner à la télé. Virginie, 3 points, félicitations. Attention, voici la troisième question. Cash ou propal? Aux côtés de quel chanteur Zazie a-t-elle interprété À ma place? Axel Bauer, ouais. Cash. Tu me dis Cash et tu me réponds? Axel Bauer. Wow, t'es à réviser là, Virginie, là. Félicitations, hein. Félicitations, je proposais Pascal Obispo, Axel Bauer, Christophe Willem ou Stanislas. Tu me dis Axel Bauer, excellente réponse. Voici déjà la quatrième question. Quelle star académicienne a interprété la chanson La Ceinture? Quelle star académicienne a interprété la chanson La Ceinture? Cash. Cash. Élodie Frégé. Là, total respect. Là, franchement, total respect. Il y avait Jennifer Nolwenn Leroy, Olivia Ruiz, Élodie Frégé, et c'était lors de la troisième saison en 2003. Félicitations Virginie, qui pour l'instant, depuis le début de cette finale, fait un sans faute. On a 12 points à qui a la réponse, 10 points au blind test. Voici la cinquième question de notre jeu qui a la réponse. Virginie, qui sont les deux rappeurs du groupe mythique MTM? Ce sont les deux rappeurs du groupe mythique MTM. Cash.
Cash, on joue pour 3 points et tu me dis Joe Star et Kuchen. Gagné. Félicitations, bravo. 3 points supplémentaires. On avait Akhenaton et Shuriken. Ça, c'est I Am. On a Joe Star et Kuchen. Iqbal et Alain Delombre, TLF. Et avait, je vous proposais Soprano et Alonso, eux, les psychiatres de la rime. Attention, sixième question, et toujours à sans faute, facile, rapide. Quel est le prénom de MC Solar? Cash Claude. Cash Claude. Félicitations, d'ailleurs, dans son tube Caroline, on l'entend. Qui chante Claude MC, prend son microphone pour parler à Caroline. Je proposais Claude, Didier, Alain et Nicolas. Tu m'as dit Claude, c'est une excellente réponse. Et voici à grands pas se profiler à l'horizon la septième question. Qui, alors celle-là elle est cadeau, hein. C'est cadeau, ça c'est cadeau, c'est pour moi. Qui interprétait la chanson Billie Jean? Cash, Michael Jackson. Évidemment, Michael Jackson, félicitations. On pouvait hésiter entre Sinatra, Jackson, Polanka ou Tom Jones. Tu m'as dit Michael Jackson, bravo. Voici la huitième question. À quelle chanteuse doit-on le titre Toxic? À quelle chanteuse doit-on le titre Toxic? Cash. Cash. Britney Spears. Britney Spears. C'était avant ou après qu'elle se rase la tête? C'était avant. C'était avant. Mais t'es vraiment branché sur les people, toi. Là, tu connais tout sur tout. Madonna, Charlene Spiriti, Shania Twain ou Britney Spears. C'est Britney Spears. Félicitations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e bonne réponse. 8e fois, 3 points. Voici l'avant-dernière question. En 2007... Dans quelle chanson Amy Winehouse a-t-elle chanté sa volonté de dire non aux cures de désintoxication? Comment s'appelle cette chanson? Allez. Tu me dis? Propal. Propal. Je te propose Rehab, Back to Black, Just Friends, Valérie. Rehab, Back to Black, Just Friends, Valérie. La 2. La 2, Back to Black. Oui. Eh ben non, malheureusement, c'était Rehab. Une petite erreur, une seule. Et voici la dernière question, toujours pareil. Cash ou Propal? Cash 3 points, Propal 1 point, si on trouve le titre. Voici la dernière question pour toi, Virginie. Quel est le nom de scène de Stephanie Joan Angelina Germanotta? Qui, en réalité, est Stephanie Joan Angelina Germanotta? Cash. Tu me dis Lady Gaga. Et c'est une excellente réponse. Félicitations. C'est une des rares artistes qui, d'ailleurs, a la capacité de passer de l'exubérance et de la folie la plus totale à la sobriété la plus extraordinaire. Les deux exemples, c'est la robe de viande crue qu'elle porte sur le dos et ce rôle extraordinaire qu'elle a interprété dans A Star Is Born. Félicitations, Virginie, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 9, 27, 27 et 10, 37. Tu es à 37 points pour l'instant. Bravo. On a une finale qui va fort bien. Virginie, tu as fait les deux tiers de ton épreuve. Tu es à mi-parcours sur la route de Cavalaire. Je vais te quitter le temps de 10 questions et je te retrouve après. Et pour l'instant, place à Christophe. Christophe, c'est à toi de jouer pour cette deuxième manche. 2 sur 3 manches, Virginie a remporté 27 points, c'est-à-dire 9 bonnes réponses sur 10. Le principe, c'est toujours le même, cash ou propal. Si après l'énoncé de la question, il te semble avoir la bonne réponse directe, tu me dis cash, tu me donnes la bonne réponse, c'est 3 points. Si tu n'as pas la bonne réponse et que tu veux des propositions, tu me dis propal, je t'en fais 4. Et si tu pioches la bonne, c'est 1 point. Et dans tous les cas, si tu te plantes, c'est 0 point. On y va? C'est parti. Allez.
Première question sur 10 pour 3 points en cash. Quel est le nom de la chanteuse du groupe Eurythmics? Cash, Annie Lennox. Cash. Et tu me dis Annie Lennox, et c'est une excellente première réponse. Annie Lennox qui chantait avec... Avec... Dave Stewart. Mais l'histoire ne dit pas s'ils étaient mariés, ils sortaient ensemble, ils flirtaient. On se doute bien qu'il devait se passer des trucs dans les coulisses, mais ça ne nous regarde pas. Voici la deuxième question. Quel groupe a interprété la chanson « Walking on the Moon » ? Cash. Police. Et tu me dis Police, dont le chanteur n'est autre avec que… Avec Sting. Évidemment. Sting. J'aurais proposé Police, U2, The Cure, Talk Talk, et c'est Police. Excellente réponse. Voici la troisième question, c'est la finale. On joue pour une journée de vacances à Cavalaire-sur-Mer, chez moi. Et pour l'instant, c'est serré. Troisième réponse. En 2000, Yannick reprend une célèbre chanson de Claude François. De quel titre s'agit-il ? Ces soirées-là. Ces soirées-là. Cette année-là. Cette année-là, tu me caches. Et c'est une excellente réponse. Tu m'aurais demandé des propals, j'aurais dit Magnolia, Magnolia, comme d'habitude, le téléphone. Ou cette année-là, tu m'as dit cette année-là, c'est une bonne réponse. Voici la quatrième question. Quel est le titre du premier tube de Gérald de Palmas ? Cash sur la route. Tu me dis sur la route, durant toute la sainte journée, il y avait Elle habite ici. J'ai pas vu le doute en toi, Samy. J'en rêve encore, tu me dis sur la route. C'est encore une fois une excellente réponse. On est à 4 réponses sur 4. C'est un sans faute. Attention, voici la cinquième question. Qu'est-ce que Louise Attaque a accepté par erreur en 1997 ? Cash, ton invitation. J'ai accepté par erreur ton invitation. Ton invitation, j'ai dû me planter dans la saison. Exact, j'allais proposer une lettre, une invitation, un marron à recommander. Tu me dis une invitation, c'est une excellente réponse et on est toujours dans le sans faute. Voici la sixième question pour Christophe. Dans quel groupe Matt Copora a-t-il débuté ? Cash, Link Up. Link Up, félicitations. Et alors, c'était dans l'émission Popstar où il fallait absolument former des groupes et dans leur groupe... Link Up, ils ont remporté la saison numéro 3 de Popstar. Il y avait Link Up, Black Eyed Peas, Psychiatre de la Rime, Magic System. Tu me dis Link Up, c'est une excellente réponse. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est toujours dans le domaine du sans faute. On a deux candidats brillants de chez brillants. Voici donc la septième question. De quel groupe Fergie est-elle la chanteuse ? De quel groupe Fergie est-elle la chanteuse ? Cash ? Oui. Space Girl. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est Black Eyed Peas. Fergie. Ah ouais, c'est vrai. Eh oui, I got a feeling. Woo! That tonight gonna be a good night. Tonight gonna be a good night, good night. Oh. Voilà, Black Eyed Peas. Désolé, là, on a la première petite erreur. Cela dit, Virginie en a fait une également. On continue. Voici la huitième chanson. Et là, je sais de quoi on parle parce qu'on rentre dans mon domaine. Quelle chanteuse a interprété la chanson phare du James Bond, Skyfall ? Cash, Adèle. Tu me dis Cash, Adèle, c'était... Adèle, Beyoncé, Fergie ou Madonna. Adèle, excellente réponse. Skyfall, c'est un de mes films préférés. De toute façon, James Bond, c'est fait vraiment partie des personnages que j'adore. Voici l'avant-dernière question. On est dans la finale, 9e avant-dernière. Quel est l'interprète ? Qui est l'interprète du tube ? I believe I can fly. Cash, R. Kelly. R. Kelly, I believe I can touch the sky. Bravo, félicitations.
J'aurais proposé R. Kelly, Ben Harper, Chris Brown ou Jamiroquai. Jamiroquai. Et tu me dis R. Kelly. C'est une excellente réponse. Donc, égalité au niveau de ce questionnaire. Qui a la réponse? Voici ta dernière question. Vous êtes à 32 points parce qu'on fait la somme des deux. Tu es à 24 points dans le qui a la réponse. 32 si on additionne les points de tout à l'heure. Christophe, dernière question. Oui. Quelle chanson Shakira a-t-elle interprété lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud? Waka Waka Cash. Waka Waka Cash. Putain, mais alors, haut la main, félicitations. J'aurais proposé Loca Rabiosa, Waka Waka Me Gusta. Et Christophe termine avec une excellente réponse, ce qui nous fait également 27 points pour cette partie-là. Alors, résultat des courses. Pour la première partie, Kika Lazic, Virginie a marqué 10 points, Christophe a marqué 8 points. Deuxième partie, Kika la réponse, Virginie met 27 points, Christophe 27 points également, ce qui fait que Virginie a 37 points, 27 et 10, et Christophe a lui 27 et 8, 35 points. Deux petits points de retard pour toi, Christophe. Rien n'est perdu, rien n'est joué pour l'instant. C'est Gervini qui prend la tête. Et maintenant, les amis, voici la dernière partie qui s'appelle « Steph part en vrille ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si je pars en live, vous allez voir que le cavalier roi Steph, quand il part en vrille, c'est les sucettes les pieds en avant. Le principe du jeu, il est tout bête. Vous vous souvenez quand vous étiez devant la télé avec DJ Aspé, avec Ramucho, avec Loulou, avec le groupe Celtic, on vous interprète, ou là, tout du moins c'est Steph qui va mixer un morceau, mais il le mixe à la cavaleroise, hein, c'est-à-dire qu'il le mixe entre deux bouteilles de Ricard et une bière. Et ça donne des trucs pas terribles, 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 qu'il faut s'efforcer de retrouver. Alors, on commence par Virginie. Christophe, on se retrouve tout à l'heure pour ta partie de top 3 également. Steph part en live. Virginie, encore une fois, tu as 10 secondes pour essayer de trouver le titre ou l'interprète. Okay. Steph, c'est parti pour le premier morceau, déformé, massacré, qu'il faut retrouver. On y va. Non, ça t'a rien dit, ça. Non. Alors, comme c'est le premier, exceptionnellement, et on fera pareil pour Christophe, on te le remet un coup. Allez, okay. Chef. C'est gentil. Non, ça te dit rien? Non. Bon. Alors, pour celui-là, c'est mort. Steph, on peut avoir un reveal, on peut avoir une solution, il y a quelque chose, tu peux peut-être moins le déformer, tu peux nous mettre sur la voie, de toute façon, c'est perdu, mais c'est juste pour avoir le plaisir de le trouver. Il faut que je vous chante pour oublier une étoile qui m'a quitté. Ça te dit quelque chose, Virginie? Vous pouvez m'aider. Alors, allez. Voilà, c'était Claude-François Belinda. Donc, on ne marque pas de points pour cette première chanson. Voici le deuxième titre. Écoute. Allez là. La gaffe. 1 sur 2, on est bien. Voici le troisième titre. Allez là. Tu me dis quoi? Tu me dis une fois.
Abba. Oui, bravo. Deuxième bonne réponse sur trois. Voici la quatrième chanson. Allez, Steph. Aznavour. Oui, Aznavour qui chante. Formidable. Exactement, excellente réponse, félicitations, bravo. Et on arrive déjà à l'avant-dernier titre à trouver. Il est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même un grand, grand classique. Steph, par en vrille. C'est parti. Aretha Franklin. Wow. Ouais. Qui l'a trouvé? Qui l'a trouvé? C'est la copine. Bravo, Aretha Franklin. Respect. Excellente réponse. 4 réponses sur 5. Et on a toujours les aliens qui se baladent derrière. Virginie, concentre-toi bien. Voici la dernière chanson pour cette finale. Si Chris derrière n'est pas aussi bon que toi, tu as gagné. Mais pour l'instant, c'est ta dernière, le dernier titre à trouver. Attention, Steph par en rire. Ah, c'est... Oh non, c'est... Allez. Non, c'est pas lui. Allez. Palmas. De Palmas. Oui, c'est ça, Gérald de Palmas qui chante. Gérald de Palmas, tu verras, quand tu entendras cette chanson, ça donne envie de marcher dans le sable. Donc le titre, c'est... Marcher dans le sable. Oui, t'avais trouvé... C'est une excellente réponse. Donc, on a un point supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Et on est à 37, ce qui nous fait 42 à la finale. Félicitations. Pour l'instant, la partie est terminée pour toi. Maintenant, on va voir ce que notre ami Christophe est capable de faire. Donc voilà, comme tu as pu l'entendre, elle a trouvé 5 bonnes réponses sur 6, ce qui fait un total global de 42. Toi, tu as eu un petit avantage, c'est que tu as pu entendre des musiques qui ne sont pas les mêmes, mais qui te donnent déjà l'idée de ce qu'il va falloir faire. Pour Virginie, c'était but en blanc, elle avait rien entendu, elle ne savait pas comment c'était déformé. Donc toi, tu as un très léger avantage. Mais de toute façon, on te donnera un coup de main comme on l'a donné à Virginie. 42 points à battre. Si tu fais 43, c'est toi qui passes la journée de vacances chez moi à Cavalaire avec tous mes potes dans ma cantine. Si tu fais égalité, il y aura prolongation. Et si tu fais moins, la partie s'arrête et on aura passé un excellent moment. Tu es prêt, Christophe? Ok, Christophe. Christophe, c'est à toi maintenant d'essayer de faire plus de 42. Tu pars avec 35 points et il te faut minimum 8 points pour l'emporter. Allez, toi, tu as un petit avantage, c'est que tu as déjà entendu ce que Virginie devait trouver. Donc, tu connais un peu la gueule des déformations. Mais on a quand même été de temps en temps très cool avec Virginie. Donc, il n'y a pas de raison, on sera aussi très cool avec toi. Voici le premier titre. Stéphane, par en prie. Claude François qui chante avec le téléphone pleure. Ouais, le téléphone pleure. Ouais, mais il faut que tu nous la chantes. Il faut écoute. Vas-y. Maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de l'autre. Attends, je vais voir si elle est là. Allez, la suite, Allez. Ah ben, je te laisse faire. Voici Steph qui part en vrille avec le deuxième morceau. Oh.
Vas-y. Dance. Let's dance. Let's dance. J'imagine les voisins en ce moment qui doivent se dire putain, chez la gaffe, là. À mon avis. Et il est temps que le chantier finisse, qu'on ait vraiment notre studio de télé. Let's dance, David Bowie. Excellente réponse. C'était vraiment très, très fort parce que sur les deux premiers, on avait un petit peu donné un coup de main à Virginie pour la mettre sur la voie. Mais là, toi, tu nous fais un sans faute direct. Direct, un sans faute. Allez, voici le troisième titre, Steph part en vrille. Écoutez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Les Beatles, putain, il est fort, fort, fort. Il est fort. Ah là, félicitations, parce que moi j'ai les. Love Me Do, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Love Me Do, je crois, non oh. Love Me Do, you know I love you. Il fait partie de ta famille, Christophe, là ou... Peut-être. Parce que là, ça sent la connivence. Hein. Là, je vous le dis. Là, t'es fort. Parce que là, moi. Je suis sur l'honneur que personne n'a appelé personne et qu'on fait ça dans les règles de l'art, la main sur le cœur et l'autre en l'air. Alors, on a une troisième bonne réponse. L'étau se resserre. Voici le quatrième titre de Steph Parenvry. Ah ouais, c'est facile. Là, quand même. Allez. Une fois. Allez, remets un petit coup, Steph. Remets-y un petit coup. Allez, trouvez une réponse. Une fois. Ah non, je l'ai pas, sérieusement. Ah, c'est dommage. Je vais sur le bout de la langue. Money for nothing. Dire Straits, money for nothing. Une première erreur en quatre titres. Voici le cinquième titre de notre ami Steph qui va en vrille. Oui, qui chante? Non, l'amour. Qu'est-ce qui fait sauver l'amour? Qu'est-ce qui sauver l'amour? Bravo. Elle est en train de changer de visage en disant, putain, mais il est balèze, lui, là. Tiens, tu vas voir qu'il va nous niquer la journée de vacances, lui. On va débouler chez lui, t'as voir, on va piétiner le potager, ça va y faire drôle. Elle est... Là, elle est en train de se dire, c'est con, l'Allemagne, ils auraient pu racheter l'Alsace pendant la pandémie, on aurait été tranquille. Hein. Ben non, ben finalement pas. Ils l'ont pas voulu. Alors, excellente réponse. Voici la dernière. Alors, on est à combien là? 1, 2, 3, 4. On est à 39 points contre 42. On fera les totos après. Voici le dernier titre pour l'ami Christophe. C'était la rubrique. Steph part en vrille. C'est parti. Il est dur de chez dur, celui-là. Ouais, celui-là est très très dur. Je peux le remettre, Vincent? Mais je t'en prie, remets-lui. Ah, vas-y. Funky, années 80, un groupe américain. On va pas t'aider plus que ça, là. On a fait le maximum. Oh, allez, une fois. Deux fois. Imagination. Et non. Dommage. C'était September.
de Earth, Wind and Fire. Cool and the Gang. Oh putain. Cool and the Gang. Ouais, Chantal Goya. Non, c'est Earth, Wind and Fire. September. Nous ne l'avons pas. On a deux erreurs sur cette troisième manche, alors que Virginie n'en avait fait qu'une seule. Donc, 4 points pour toi, ce qui nous fait que 35 et 4 points nous amènent à un total de 39 points. Mesdames et messieurs, depuis un mois et demi, nous jouons pour savoir qui va gagner une journée de vacances avec toute sa famille, chez moi, à Cavalère, avec Stéphane, avec Nathalie, avec tous les copains. On va aller manger au pizzaïole chez Maryse, ma cantine. On va aller faire du jet ski avec Philippe Dirienzo à Chauvel-de-Mer. On ira également à Allshot. Je vous propose du parachute ascensionnel. Et Vincent Lagarde, moi, perso, je vous propose du flyboard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, celui ou celle qui a gagné n'est autre que... Virginie ! Virginie avec 42 points vient de battre à plat de couture Christophe avec 39 points. Je dis bravo Virginie, je suis très très content que vous soyez la finaliste et la vainqueuse. Christophe, on a passé un excellent moment. Oui. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci. Pareil. N'oublie pas que dès le mois prochain, tu peux retenter ta chance. Là, ça ne sera pas pour une semaine, une journée de vacances, mais c'est un cadeau qui, financièrement, est beaucoup plus intéressant. Sentimentalement, peut-être moins, mais c'est quand même un excellent cadeau. Christophe, merci d'avoir été avec nous. Je t'embrasse. Embrasse, merci à toi. Merci d'avoir été pour toi. Merci d'avoir été super efficace. Et puis, à très vite. À très, très vite, Vincent. Merci. Bisous. Ciao, ciao. Demander d'avoir la gentillesse de te déconnecter, qu'on puisse rester pour finir avec Virginie. Virginie qui est notre grande vainqueur. Bravo Virginie, félicitations. Alors, combien vous serez? Dis-moi exactement combien vous serez. 25. hors taxe. Non, tu m'avais parlé de 6 ou 7 personnes, c'est ça? Non, 7. Bah, ta mère et ton père peut-être. 5 sur, peut-être 6, si la copine du grand peut venir, mais on verra. 5-6 personnes. Est-ce que toutes les personnes qui vont venir sont des personnes qui sont à même de faire les activités que je vais vous proposer? Parce que, évidemment, que si vous avez un enfant en très bas âge, ben, y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire parce qu'il va falloir que tu le gardes. Il y a surtout les enfants qui vont profiter. Mais oui, mais moi, ça me fait plaisir quand même de te faire faire un peu des activités, un tour oui, de mais on verra le... On calera tout le monde sur la plage et on ira faire un tour en jet ski tous les deux et tu pourras t'accrocher à mon corps de ta tête. Moi aussi, je vois. Juste ton corps. Ouais, mais là, à côté, il y a une Italienne qui fait non. Ça va être compliqué. Non, non, voilà, t'entends la Rita qui fait ça. En tout cas, j'ai été ravi de passer tous ces lives avec toi. Virginie, encore une fois, merci. Hors antenne, on se donnera des numéros de téléphone privés, on se donnera des adresses. C'est Nathalie qui va s'occuper de tout ça pour faire en sorte qu'on se retrouve durant cet été. C'est à vous de voir quand est-ce que ça vous arrange de descendre. On essaye d'organiser nos plannings, mais de toute façon, on essaiera de se plier au tien. Que te dire d'autre? Eh ben que ça m'a fait très très plaisir de voir toute cette équipe autour de toi réunie pour partager ce moment fort sympathique. Je remercie infiniment notre nouveau venu Steph qui fera partie évidemment du week-end. Il sera avec nous, ça y est, il est en train de se dire, il laisse 2 minutes et c'est lâche la main, il tombe. Donc Steph qui sera avec nous, quelle est ton actualité actuelle? Alors, mon actualité actuelle, c'est que moi, je suis animateur, DJ, tout ça. C'est un peu mort pour le moment à cause du corona. Ouais. Sinon, voilà, tout va bien. D'accord. Oui, c'est vrai que cette saison, nous qui vivons dans une station balnéaire, on a un peu tendance, avec notre femme parler varois, de dire « putain, cette saison a plus du cul quand même hein. ». C'est vrai qu'elle a plus du cul, mais on s'en fout.
On est là tous ensemble. On a la grande course de jet ski qui sera au mois de septembre à Cavalaire. On a plein de projets. On a plein de choses à faire. Donc, Virginie, merci d'avoir été avec nous. Merci à Stéphane d'avoir été notre DJ. Et on est amené à revoir Stéphane, vraiment plein d'envie. Pour vous mettre dans la confidence, comme vous le savez, je suis en train de construire ma maison et on est en chantier. Le chantier va se terminer d'ici un mois et demi. Et on va, dans ce chantier, inclure un petit studio de télé et on espérera d'enregistrer des émissions carrément avec les gens qu'on fera venir. On se démerdera, on va les faire venir, on va les loger, on va trouver la solution pour pouvoir se retrouver sur un vrai petit plateau de télé et d'être physiquement les uns à côté des autres. Voilà. Salut Steph, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Nathalie qui a fait un travail énorme pour rédiger les questions, les mettre en page, prendre contact avec les candidats et faire en sorte que je n'ai plus qu'à enfiler des gants blancs. Merci à Julien qui nous fait un travail du feu de Dieu du côté de Annecy et qui s'occupe de tout ce qui est technique, régie, informatique, etc. Donc, merci à toi, Jules. Virginie, je te fais des gros poutous. J'embrasse tous ceux qui sont avec toi. Bravo, merci. Et je crois, et je me suis laissé entendre dire qu'il y a longtemps que tu n'étais pas partie en vacances. Avec les gamins, on n'est jamais parti. Voilà. Donc, c'est avec une très grande émotion que je t'accueillerai. Et ça me fait très, très, très plaisir d'être la première journée de vacances de tes gamins. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Bisous. Passez une excellente soirée. Passez un bon week-end. Faisiez pas les cons avec les affaires à les autres. Et n'oubliez pas, l'important, c'est de... We'll be right back.